Bonjour à tous et bienvenue sur Religion, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous parler des meilleurs logiciels de montage. Tout de suite passe au logiciel gratuit parce que c'est ce qui intéresse le plus les gens, je pense. Alors du coup, là on a deux logiciels, hein, les classiques. On a Windows Movie Maker sur Windows et puis iMovie sur Mac. Je suis pas spécialement fan d'Apple, mais il faut avouer que iMovie est 10 fois mieux que Windows Movie Maker. Windows Movie Maker, ça bug, c'est lent, et en plus sur la version de Windows 7, même un simple cut peut devenir n'importe quoi. Là, je vous montre un petit extrait d'un des films que j'ai fait il y a longtemps, monté avec Windows Movie Maker sur Windows 7, et vous allez voir, je vous laisse voir. Ouais. Ouais, tu peux venir tout de suite là. Ok. Salut. Salut. Vous avez vu comment un simple cut peut juste devenir n'importe quoi? Et c'est juste un cut quoi. Mais moi je vais vous parler d'un logiciel qui m'a vraiment surpris. Il est gratuit et puissant. Il bug pas et il est disponible sur Mac et PC. Son nom, HitFilm Express. Alors, peut-être certains d'entre vous connaissent, mais vu comment il est fait, ça aurait bien pu être un logiciel payant. Donc, je vous montre directement ce que ça donne dans le logiciel directement. Ça fait deux directs. Donc voilà, maintenant, on se retrouve à l'intérieur d'HitFilm. Donc déjà, juste regardez l'interface, hein. Tout est bien organisé et surtout, on peut la customiser. Hein. Donc si vous voulez changer de place, quelque chose, on peut le faire. Donc à gauche on a les fichiers vidéo avec les effets et le texte. Au milieu on a la timeline et en haut la prévisualisation. Donc pour commencer un projet, on sélectionne le fichier et on le place sur la timeline. Donc ce qui nous amène maintenant aux outils principaux. On a la sélection avec le raccourci V sur clavier qui peut donc on peut sélectionner et raccourcir une vidéo. Ensuite le cut, donc avec le raccourci C sur l'ordinateur, et le stretch avec S pour faire des plans au ralenti ou accéléré. Prochain, les logiciels payants. Donc après il y a les classiques, hein, que tout le monde connaît, Premiere Pro et After Effects. Donc ça c'est vraiment un logiciel qui est vraiment bien, et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des gens l'utilisent. Mais tu l'as compris, c'est pas de celui-là dont je vais te parler. Ouais, je te parle encore de HitFilm. J'aime beaucoup HitFilm Pro pour sa combinaison de compositing et de montage vidéo. C'est 100 fois plus simple pour moi, je trouve. Un autre point fort d'HitFilm, c'est que une fois que tu l'as payé, en fait, tu l'as pour la vie, le logiciel. Contrairement à Premiere Pro, que tu dois payer, je crois, à peu près 25 ou quelque chose euros par mois. Je sais plus exactement. En fait, si tu vas l'avoir, autant payer tout directement et puis après c'est bon. Plus tu reçois les mises à jour gratuitement pour la première année. HitFilm Pro est hyper simple d'utilisation. Les effets sont vraiment hyper simples, ils n'ont pas de nom hyper compliqué ou quoi. Et on s'y habitue plutôt rapidement. Je suis pas du tout là pour critiquer Premiere Pro. Hein. Au contraire, j'adore ce logiciel. C'est juste que je suis en train de vous donner une autre alternative. HitFilm a été lancé en 2011 par Josh Davis. Et ils ont maintenant une chaîne YouTube où ils te montrent, je crois, à peu près chaque semaine des nouveaux effets de vos films préférés, par exemple Star Wars, Harry Potter ou Avengers. Voilà, maintenant c'est à vous de décider, je voulais juste partager ça avec vous aujourd'hui. Et parce que je reçois souvent la question, quel logiciel je dois prendre et tout ça. Donc maintenant, vous avez la réponse. Un petit secret, je travaille en ce moment sur 3 films, dont un très 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 spécial, et je vous en parlerai plus tard. Pour plus d'informations, illusionfilm.net et mon Instagram illusionfilm18. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur Illusion.